Dans les nouveaux mémoires du prince Harry, Spare, le royal explique en détail comment il a conseillé à Meghan Markle de s'habiller lors de sa rencontre avec son futur beau-père. Le nouveau livre du prince Harry Spare est sorti mardi et donne plus d'informations sur la relation entre les membres de la famille royale. L'homme de 38 ans a parlé du roi Charles et a partagé des détails jamais entendus auparavant sur la vie du monarque. Le prince Harry a même écrit sur le moment où sa femme Meghan Markle a rencontré son père. Le royal a écrit. Ses cheveux étaient détachés parce que je lui ai suggéré de les porter de cette façon. Papa aime quand les femmes portent leurs cheveux détachés. Mamie aussi. Elle a souvent commenté la belle crinière de Kate. De toute façon, Meg portait peu de maquillage, ce que j'avais également suggéré, papa n'approuvait pas les femmes qui en portaient beaucoup. Le nouveau livre du prince Harry a révélé au public de nombreux nouveaux détails personnels sur la vie du roi Charles. Point. Le livre affirmait que le roi Charles commençait sa journée avec un poirier et avait installé un bar dans sa chambre pour l'aider à s'équilibrer. Sa Majesté travaille également extrêmement dur, selon les mémoires, et le prince Harry et le prince William l'auraient soi-disant trouvé la nuit en train de dormir à son bureau le soir. Harry a poursuivi en affirmant que le roi Charles avait un ours en peluche qu'il gardait avec lui jusqu'à l'âge adulte. Dans le livre, Prince, Harry décrit l'ours en peluche comme un objet pitoyable, qui marque la solitude de l'enfance du roi. Mercredi, le roi Charles a été vu pour la première fois depuis l'interview du prince Harry avec Stephen Colbert dans le Late Show, dans lequel le duc de Sussex a affirmé qu'il avait quitté la Grande-Bretagne en raison d'abus et de harcèlement. Le prince Harry a parlé de sa nouvelle maison et a déclaré qu'il s'était créé une vie fantastique en Californie. Sa Majesté a été aperçue en train de conduire dans El Aberdeenshire, en Écosse, et n'a commenté publiquement aucune des affirmations du nouveau livre du prince Harry. Une source royale a affirmé que la famille royale ne répondrait à aucun des commentaires du prince Harry.